Mesdames et messieurs, bonjour. À défaut d'avoir un micro parfaitement accroché à son socle, étant donné que les aléas du direct, aujourd'hui on se retrouve avec Gaël de Toulon pour faire évoluer le concept du 1v1, étant donné qu'aujourd'hui on va faire du Prime, du Brawl Ball, on va faire du Brawler aléatoire, une sacrée compétition qui va déchaîner les passions et les pouces bleus, bien sûr, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Gaël de Toulon, mais surtout, rentrez le code créateur David K, le code créateur qui fait peur. Allez, on se dit à tout de suite. C'est parti. C'est parti pour le plus gros duel de skill de toute l'histoire de Brawl Stars, Gaël de Toulon versus David K. Bien sûr, si vous souhaitez me soutenir, ouh loulou, on n'oublie pas, ouh loulou, on prend les skins avec le code créateur David K, le code créateur des vrais joueurs qui fait peur. Heureusement, je l'avais dans la boutique. Bon, en vrai, c'est des points stars, ça change rien. Je vous jure, les gars, je paye tout en points stars en ce moment. Le McDonald's, l'essence, le loyer, tout, les gars. Ok, duel de skill. C'est parti, on commence par Colt. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a voulu un petit peu changer. C'est moi, c'est la première fois que je le fais en prime perso. Donc, franchement. Ok, ça, c'est fait. J'ai récupéré l'étoile et j'ai rincé mon frérot. Ok, donc là, c'est à lui de me mettre la pression, hein. C'est à lui d'avancer, tu vois. Allez là. Tu sais, c'est le aller là, motivé, mais pas trop. Attends, je vais essayer de le brains. Donc là, il est pas bien, tu vois. Ok, 5-0 avec de l'auto-shot. Oh, Gaël de Toulon, il est dans le dur, les gars. Gaël de Toulon, le frérot, il est pas bien, là. Oh, je suis désolé. Oh, frérot, je la coupe, la game, non? En vrai, je la coupe. Non, je peux pas la garder, là, frérot. Oh, GG. What? Il prend 7 points. Ah ouais, donc là, il va me mettre la pression. Je dois gérer ma game. Là, je le fais reculer, en fait. Ah, là, faut que je prenne le kill. J'ai pas le choix. C'est bon, c'est pris de kill. Là, 20 secondes, je tempère. 20 secondes, je temporise. Ok, 10, c'est bon. Allez. Ok, c'est fait, victoire. On arrête la vidéo ici ou pas? Non, on va passer sur le brawler suivant. Bien sûr, les gars, on va pas en rester là. On va passer sur le brawler suivant. Première victoire en prime contre Gaël de Toulon. 1-0 pour David K. C'est parti, nouveau brawler skill. On a choisi Piper. Et avec le skin Piper Calavera, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ressortira-t-il pour Halloween? Vous me dites ça en commentaire. Allez, ça, c'est fait. Bah alors, Gaël, frérot, qu'est-ce que tu nous fais, là? Ouf. Et damn short, baby. Ok, 4-1, mesdames et messieurs, on domine le Gaël de Toulon. Ouh, double hit GG avec activation du gadget. Mais je crois que Gaël, il en reste plus qu'un. Ou voire peut-être plus, en fait, pour être honnête. Lâche tempo. C'est de partout. Il tremble, frère. Il tremble, il est en train de reculer, il tremble. Ouh, c'est chaud. Là, on joue. C'est touché, ça. Allez, c'est kill. Partout.
10 partout, 19 secondes, il me reste un gadget. Oh, il m'a touché, j'étais ému. Oh. Attends. Je fais le beau jeu ou pas? Oh, il fuit! Oh, 10 partout, égalité sur Piper! Oh, GG, GG. Égalité sur Piper, duel de skill 0-0 pour le moment, donc 1-0 vu que j'ai gagné sur Colt. Ok, on part sur Jean. Jean, c'est skill, étant donné que, bah, 1, déjà, faut savoir grabber, et 2, tu peux continuer de mettre une pression énorme. Je vais pas prendre l'étoile au mid, je vous avoue. Je préfère mettre des touches, en vrai. Voilà, tu vois, j'ai plus touché, en fait. Donc là, en vrai, oui, il a l'étoile, mais, tu vois, en fait, c'est celui qui va charger son grab, j'ai pris les dégâts, bien sûr, hein. Donc c'est là que ça devient intéressant, tu vois. Voilà, faut savoir en fait gérer la distance, tu vois. C'est assez intéressant. Parce que là, tu vois, je suis bien en train de le travailler. Et après, je vais faire des dégâts supplémentaires. Tu vois, moi, je garde. J'essaie vraiment d'avoir la distance, tu vois. Et là, je peux lui mettre la presse. Il est pas bien, il régène plus, là. Bien vu, ça, Gaël. Ok, c'est touché. En vrai, je mets du temps à faire mon attaque. Touché. Là, il est pas bien, en vrai. Il est pas bien, il est pas bien, il le sait. Là, je travaille au corps, tu vois. Putain, j'aurais dû garder mes dégâts, j'ai été débile, là. Ok, attention. Oh ! C'est pris, le kill ! C'est pris, le kill ! Donc, il va... Et là, regardez, ça peut être intéressant, ça, en vrai. Je tente un truc. J'ai pris l'avantage, là. J'ai pris l'avantage avec l'utilisation du gadget derrière après le grab. Là, il va aller se planquer dans ses bushs. Oh, je suis bien, là. Je suis bien, là. Je lui mets la presse. Il est pas bien. Oh, non! Oh, GG! GG, j'ai grabé alors que j'avais plus d'attaque. Mal joué, ça. Je vais prendre tous les risques, là. Oh, oh. Quelle finale. GG Gaël. Un partout, mesdames et messieurs. Très très classe, très serré. Là, on a senti que le level il était équivalent, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on avait pris l'avantage au début, mais bon, pas de mauvaises excuses. On tente la suite. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. On est parti en brawler aléatoire. On s'est jeté un défi avec Gaël. On s'est dit, vas-y, on va voir en brawler aléatoire celui qui a le plus de skills. Donc on a pris le brawler qu'on voulait. Personnellement, j'ai choisi Monsieur M pour bien des raisons. Voilà, déjà pour ça. Spike, c'est un très 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 bon choix aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de charger ma valise. Hein. Je pense que vous avez compris. Voilà. Si je charge ma valise, je vais me mettre trop bien, en fait. Je vais lui mettre la presse après. Il va bégayer, frérot. Attends, je touche là ou pas? Yes. Oh, je l'ai touché. Regarde. Du coup, maintenant, je suis trop bien, frère. Ah, il est trop mal. Il est pas bien, là, le frérot. Je vous le dis direct. Il va devoir utiliser tellement de touches pour se débarrasser de... Ah ouais, oh, je suis bien. Attends. Voilà, c'est maintenant que je vais déclencher mon gadget. Oh, je le pré-shot, mon gars. Et encore, j'ai été un peu long, ouais. Attends, je pense qu'il est là. Oh, je l'ai bien touché. Le kill sur Gaël de Toulon. Mesdames et messieurs, on est bien, là. Et c'est bon, ça. Alors là, par contre, là, tu t'en doutes, mon gars, je vais backer comme never. Attends, on fait un cache-cache chez Gaël de Toulon, frère. Attends. Attends, je tente, frérot. Oh, je l'ai bien touché, là. Il est obligé de me mettre la... Oh, non, j'ai merdé, là. Oh, il y a quelqu'un qui s'est abonné pendant que je fais la vidéo. Oh, je peux pas activer le gadget. Quel dommage. Après, attends, je vais mettre la passion, là. Ok, le kill. 7-5. Je pense que c'est la winance. On va voir. Je vais me protéger derrière ma tête, que je vais booster.
Je suis bon joueur, hein, j'ai joué. Ok, victoire sur le brawler aléatoire. Du coup, je vous propose une finale en Brawl Ball, mesdames et messieurs, histoire de rendre vraiment dynamique cette vidéo. C'est parti. C'est parti pour la finale, les gars. Brawler aléatoire. Oh, il a pris le CM, je suis pas bien. Ok, déjà j'ai mis la presse. On est en brawler aléatoire, on sait pas dire. Il doit être vénère. Attends, j'essaie un truc. Merci à mon frérot, il m'a mis tellement de fois à l'amende quand on a joué entre nous à 1v1 que là, lui caler ce tricks, c'est juste incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous finirez la vidéo sur cette touche d'humour. Pour rappel, il n'y a pas de mauvaise compétition entre Gaël et moi. C'est le frérot depuis qu'on a commencé YouTube, depuis qu'on a commencé Clash Royale, Brawl Stars. C'est quelqu'un qui m'a toujours donné les bons conseils, qui a toujours eu des bonnes idées pour moi, qui a jamais été... conservateur de ce qu'il avait, qui a toujours jamais hésité à me faire une bonne pub sur sa chaîne ou ces choses-là. Donc c'est vraiment mon frérot, mon ami. Donc maximum d'amour en commentaire pour lui. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Gaël de Toulon. Et franchement, merci à lui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Peace.